Et bonsoir l'ami Grefox. Yo. Yo, yo, yo. M'entends bien? Ça va, ouais. Et toi? Ouais, je t'entends très bien. Nickel. Bon, je tente le petit Olaf Top. Ouais, j'ai vu ça. Bon, bah voilà quoi. On va faire au mieux. En Tu vrai, veux jouer avec moi? je suis à 0 LP, hein, j'annonce. J'ai eu des games de merde ce matin. Ok, donc tu es potentiellement capable de descendre. Voilà, donc je. Attention, on n'a pas le droit de la perdre. Hein. Oh, pire, c'est pas grave. Hein. Contre un Panthéon, j'ai hésité en vrai à jouer Nasus, mais. En fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de. Tu vois, t'as Xerath et Anivia qui balancent des stuns et c'est leur survie est beaucoup basée là-dessus avec Olaf. Ouais, clairement, c'est un meilleur pic, je C'est pense. pour ça que j'ai choisi, tu vois. Il faut que j'arrive de plus en plus à adapter mes picks à ce que je vois en face. Et quand Clairement. j'ai vu le dernier pic Xerath Anivia, je me suis dit, bon, bah, go, Olaf. Hein. Très clairement. Non, non, t'as bien raison. Après, faudra juste que j'arrive à bien le jouer, mais bon, de toute façon, je partirai assez tanky. Tu joues Jax, toi? Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. En vrai, on a une compo Après, sympa, je trouve. j'ai pris Jax plus par confort que pour jouer contre leur compo, mais Ouais. c'est bon. Bon, bah, écoute, ça devrait le faire à peu près. Go, go, go! Tac, tac. Ok, bon, je vais essayer de te donner le plus d'informations possible par rapport à l'issue. Yep, Je nickel. pense que de toute façon, c'est probablement un Panthéon. Star Trade et Oui, qui est le top. classique sur Lee Sin, quoi. Ouais, Mais du ouais. top, top à 3 minutes 15, quelque chose comme ça. 30 poils avant. Puis Ça peut passer vite. si t'es chaud, le Panthéon, je pense qu'on pourra le gagner pas mal. Ça a quand même pas beaucoup de mobilité, donc c'est un perso qu'on pourra choper. Bon, bah, let's go, hein. Tac. Ah, je suis chaud. En vrai, Après, Olaf, j'aime bien. À chaque fois, je le joue pas souvent, mais à chaque fois, je suis trop content quand je le joue, en fait. je peux te proposer quelque chose, on peut essayer ça. C'est je Gank start au level 2. raid et Ouais. je prends un gank level 2 si tu touches ta hache. Ok. Tu sors pas la hache, de toute façon, avec Olaf. Ouais. Je t'aide pour le raid. Tu peux mettre Je te fais un petit ouais, pull. 2-3 autos et puis ça suffira, je pense. Une hache et 2-3 autos. Ouais. Très bien. 3 autos, c'est bien. On part Deux, donc c'est là-dessus. au moins bien. On a un start Drake de la botlane. Très bien. Nouvelle méta. Bon, et puis elle était sympa la game qu'on a faite l'autre fois là. Elle a été bien Ouais, t'es appréciée très bien. sur YouTube. Ouais, nickel, merci. Je Ouais, t'en prie. J'ai vu qu'il y avait quelques petits retours négatifs. Oh, bah, il y a toujours des rageux, t'inquiète. C'est Ouais, ça avait l'air plus. quand en fait quand c'est des retours négatifs constructifs, tu vois, argumenter, je les prends en compte, mais là c'était juste de la rage débile. Ouais, c'est vrai que ça avait l'air Donc assez tant qu'il n'y a aucun négatif. argument derrière, si tu veux, je m'en tape quoi. Est-ce que tu veux go? Vas-y, go. Le génie. Hop, nickel. Il a même pas essayé de flash, il s'est dit bon allez hop, Ouais, VDM. je pense qu'il se sentait mort. Ok, Lee Sin probablement va aller prendre mon bleu, s'il est pas trop malin. Pas Ouais. trop bête plutôt. Ah non, Lee Sin ici. Ah, il a fait un full clear déjà. Il est top, hein. Fais attention à toi. Ok, je prends note. Mais bon. Ok, tu devrais t'en sortir. Ouais, je suis safe. Enfin, je suis safe, en théorie. Ils vont quand même pas aller me chercher là sur moi. Si, va te die. What the fuck? Je pensais pas que ça passerait aussi facilement pour eux. J'aurais dû Je me pensais manière. plus solide que ça. Bon, bah, je suis un peu déçu. Je vais revenir là direct. On va prendre ça. Est-ce que Panthéon a utilisé son flash pour le coup? Je crois pas. Ah, Lee Sin. Attends, vas-y, je viens. Non, on pourra pas le survivre. C'est bien là, Ok. c'est. Je vais faire le carburateur pour essayer de te donner de la vision. Ouais, c'est bon, ça va passer. Ah putain, moins de dégâts que ce que je pensais. Ah, je le pull les sbires, je suis pas bon. Bon, GG quand même. C'était plutôt cool tout ça. Ouais, t'as 2 kilos au final, c'est pas si mal. Ouais, par contre, niveau des skill shots et des last hits, c'est pas trop ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir. On va se refaire la main sur le champ. Bon, tu le joues souvent, Olaf?
Non, pas trop. Je l'avais joué un peu en jungle. Là, je vais le tuer en fait. Super. Je l'avais joué un peu en jungle, mais en fait, si tu veux, j'étais un petit peu frustré de me dire, en fait, le champion, il a sa capacité offensive maximale quand il est en train de se faire mettre le life, tu vois. Et au final, bah, c'est pas du tout rentable pour la jungle. Parce que du coup, tu n'utilises jamais ta capacité maximale de clean. Ouais, je vois. Et je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus rentable d'utiliser quand tu es sans cesse en train de te battre contre des champions, donc en lane, en fait. Ouais, je pense qu'il se joue très situationnellement en jungle. Merde, j'ai touché Panthéon sans faire gaffe. Ici, il était bot side. Après, tu vois, c'est un topic en jungle, hein. Tu regardes les haut level, ils le jouent tous, mais bon, c'est parce qu'ils ont un niveau suffisant pour que la jungle soit très très Ouais. active et très interactive avec les lanes. Je Ouais, pense je que pense que là, ouais, c'est un peu bankable pour toi. au Elo ici, c'est à mon avis un peu moins intéressant. Ouais, Tu effectivement. vois, en jungle, je préfère jouer des trucs genre Tryndamere, genre Udyr, sur lesquels tu peux avoir beaucoup de dégâts, et du coup, tu utilises ta pleine puissance sur ta présence sur la map, quoi. Alors que là, du coup, c'est un peu moins le cas. Putain, il y a eu un kill qui a failli proc au bid, là, juste il n'y avait pas de mana sur Azir, c'est dommage. Attention, parce qu'il n'y a pas de vision sur le Lee Sin. Bon, moi, je suis à 3-1. Nickel. En vrai, ma mort, elle était évitable, mais bon, après, ça leur a peut-être donné envie de grid, et c'est peut-être grâce à ça que j'ai récupéré les autres au final, donc c'est très bien. Je suis direct parti Tabi, je vais essayer de le farmer le Panthéon. Le Lee Sin essaie de jouer très agressif. Je vois Ça ça. passe pas pour l'instant. Il va être topside, là, fais attention. Ok. Il est 1-1-0. Ouais. Je suis parti de toute façon assez défensif, j'ai des tabis. Ok, moi je fais un back. C'est Il tellement verra pas que la agréable caisse à est fermée. jouer. C'est vraiment trop bien là, en vrai. Attends, mais en fait, je vais le go là. Si tu patientes, je vais revenir top de toute façon. Si tu le tues tout seul, bah tant mieux. Bien Ah, il m'a pris pour qui? joué. Faut juste que je fasse gaffe à pas me prendre un Lee Sin, ça peut faire mal là. Ouais, recule. Ouais, à l'aide, il va encore. Je vais arriver par là. Si tu te caches derrière les creeps, ça va passer. Oh le merde, je me suis montré. Je vais y aller en mode full vitesse d'attaque. Tu le récup. Mec, énorme ce qu'on lui a mis. Attends, je vais essayer de le bait. Oh, ce level. Alors, le level n'est pas là sur l'élastite. Mais sur le move, c'était ouf. GG à toi, très très propre. Je pense que je vais back. Parce que là, le Panthéon, j'ai peur qu'il me récup. Oh, mec, c'est incroyable. À chaque fois que je l'ai joué en lane, Olaf, ça s'est trop bien passé. Mais j'ai l'impression que tu vois, c'est la moitié de la chance plus que du skill, quoi. Mais bon, si ça nous fait win, Bah, pas on tant après, accepte, hein. c'est des. Il faut connaître ses timings d'agression et tout ça aussi. Aussi. Je vais prendre ça. Hop. En vrai, je vais bientôt avoir le coup près, mec, à ce rythme. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le Drake, ce serait bien que tu essaies de pas le laisser passer. Parce que le Lee Ouais. Sin, ça peut les faire assez vite, au moins que peut-être que la bot aille prendre la vision Après, dessus. ils ont pas mal de pressure au bot, je m'en fais pas trop pour ça. C'est vrai. Pour l'instant, je me permets de te soutenir un peu et de farm. Voilà, bon, je suis tranquille, hein, il est... Ouais, Genre, maintenant je sais que. au niveau du farm, il s'en sort pas trop mal, mais pour le reste, il est un peu fini notre ami là. Hein. Je vais essayer d'arrêter de rater tous mes last hits, ça sera pas mal, je pense. Mais je suis tellement solide en vrai, là en fait je peux limite le go en fait. Je vais prendre le pink et c'est parti pour la botlane. Après, bon, maintenant que tu as bien l'avance, si Lee Sin est commit sur toi, de toute façon, ce sera un Drake free. Ah! Voilà. Je l'avais senti. Ouais, après, le timing était pas bon pour moi d'aller sur le Drake de suite. J'avais besoin de recall dans tous les cas. Il trade pas trop mal en vrai. J'ai été un peu greedy, je me suis senti un peu fou. Je suis pas si bien que ça au final. Faut que je fasse gaffe à pas me faire punir pour abus de confiance.
Un protéon, ça peut piquer quand même. Oh, putain, il met toutes ces merdes là. Je pense qu'un gank est faisable. Mais si t'as juste de Xerath, il peut ulti top. Parce qu'on le voit plus sur la map là. Ok, on le voit. Oh putain! Bon, il a flash out le pente, mais il va me récup là. Non, c'est bon. Flash out du Panthéon. Trah, j'ai envie de rester, mais c'est du grid. Je vais arrêter de faire le fou, je vais back. Mais là, j'ai été con parce qu'au final, je lui donne de l'avantage au farm. Il a flash le Panthéon. J'aurais pu le récup, mais j'ai mis le, tu sais, le E qui met des dégâts bruts, je l'ai mis sur un sbire. Aïe aïe aïe. C'est pas conseillé pour faire des kills, hein, bien sûr. Oh, j'aurais tellement pu y aller sur la voie derrière là. Ok, au mid c'est très très close. J'ai un mauvais pressentiment pour ce Azir. Je vais tellement tout lui mettre d'un coup là. Allez, on va le chercher. Ah. J'ai bouffé un stun. Putain, il y a une sacrée portée sur son bordel là. Ça, le machin qui lance là. J'aime pas trop trop ça moi. Je vais caler une pink, ok. Putain, j'arrête pas de rater, mais je tape pas ce que je veux taper, bordel. Bah, le Lissine, il va me tuer. Putain, je prends trop cher. Je suis pas bon, mec. Je joue tellement, tellement greedy. Ah, il va me bouffer. What? Les dégâts. Ouais. Je suis pas bon, ah, c'est incroyable, c'est pas normal que je perde avec autant d'avance là, je joue tellement greedy depuis tout à l'heure, je suis en mode j'ai peur de rien alors qu'en fait... Ouais, tu connais pas bien tes timings d'agro. Ouais, je suis pas au point. Bon, c'est pas dramatique, mais... Et bon, Panthéon est assez difficile à cerner aussi puisqu'il vient d'être... Oui, je connais pas trop, mais quand même, là je suis vraiment pas bon, mec, je me fais... Il me nique au farm alors que j'ai 4 kills d'avance en fait, c'est pas... Bon, c'est pas grave, hein, mais... Faut que je fasse gaffe parce que la partie n'est pas du tout terminée. Bon, ça pue au bot. Ouais, effectivement. Ok, je vais essayer de... Comme quoi, quand t'es pas patient hein, sur ce jeu, tu te fais très très vite punir quand même. Hein. J'ai le passif là. Ok, bien joué. Attention, il y a SS top, mais le Panthéon n'a plus d'ulti. Putain, je perds du temps. Ok, c'est bien joué ça, Xerath. Oh là là. Genre, je rate le gros là. Ça me gaffe tellement, putain. Lissine vient de faire l'Hérald, putain, mais... Ouais, faut que je fasse gaffe parce que ça veut dire qu'il est pas loin, ça. Ça peut me prendre par derrière, là, faut que je fasse attention. Ouais. Il est au carapateur. Oh, j'ai envie de le go, le Lissine. Pour le coup, lui, je le bouffe très vite, je pense. Il est beaucoup moins tanky que Panthéon. Mais bon. Ok, Drake dans 40 secondes. Panthéon qui décale. Je vais essayer d'aller le... Ah putain. Je vais me retrouver en 1v2. Après si tu claques l'ulti, tu crains. Ouais mais bon, j'ai claqué l'ulti quoi. Ouais, c'est vrai. Donc maintenant... De toute façon, je suis pas très loin, je vais clean ma... Après, ça peut... le fait que j'ai plus d'ulti, ça peut les bait. Hein. J'ai la vision là sur le tribush, c'est bien. Parce qu'en fait, même sans ulti, je peux leur faire... En vrai, je le tue là. Putain, ah. à l'aide. Genre, il a pu me dash là. Ok, il s'est chié. Par contre, je suis vraiment pas safe, moi. Ils vont tenter le die, je pense. Si t'arrives, à mon avis, au bon moment. Ça peut faire très mal. Faut les jouer. Ok, je peux. Ah putain, je pensais que j'allais régénérer assez, mais je surestime un peu la régène que j'ai. Vas-y, si tu le récupères, super, bien joué, mec. C'est bien, là, c'est toi qui prends les kills, maintenant. Il me faudrait peut-être un peu de lifesteal quand même.
À chaque fois, j'ai l'impression qu'en mode comme Nasus, je vais mettre deux coups, je vais récupérer 400 PV, quoi, mais c'est pas aussi immédiat que ça avec, avec Olaf. Bon, j'espère que ça va aller sous tour, ça. Je vais back pour aller au Drake directement. C'est un peu ridicule ce qui m'arrive quand même. Le mec, il me met 11 de farm alors que je suis parti avec 4 kills, quoi. Ouais, mais après. Tu peux pas bien tout ça, hein. Tu peux ridicule, hein. Je sens que ça va m'insulter sur YouTube, hein. Tu sais, les fameux mecs, tu sais, qui sont Silver 3, mais alors à ma place, ils auraient fait 12-0, tu vois. Tu les connais, ceux-là? Oh, j'en ai entendu parler. Ah, c'est un concept. Ah, écoute, t'en fais pas. C'est un L'important, concept. c'est que toi, tu Ouais, progresses. t'inquiète, je suis blindé. Mais en vrai, c'est tellement moins cancer que quand j'étais sur Dofus. Sur Dofus, il y avait vraiment Ah, du trash salut, talk à Lucky. fond. Là, maintenant, c'est mignon, mais. 2-4, Panthéon, Phage. Ok, il a flash, plus de flash, plus de flash top. Je l'ai bien niqué là. Oh putain, je pourrais tellement dive, mais je sais pas il a quel délai sur son truc qui le rend invulnérable là, On qui est va très relou. sûrement perdre le Drake là. Encore? Mon Ah bot merde. n'a pas la. Et je me fais zoner. Ouais, on peut pas le faire. C'est dommage. En fait, je vais avoir la TP. Est-ce que tu veux que je TP bot? Tu peux back TP? Ouais, tu peux. Non, c'est cancel. Je pense Ok. que j'aurai le temps de revenir. Bon, au moins on a. Au moins on a réussi à le cancel même si je meurs là-dessus. Mec, c'est en combat de titan au top là, le premier qui touche l'autre, il a gagné. Je crois que ce sera pour moi. Ah. Ouf, la régène. Bah c'est Olaf mec hein. Je savais qu'il allait pas me tuer là avec son truc. Après, une fois que son burst est passé, si on est juste en mode auto-attaque, il a aucune chance contre moi. Tu veux gratter des plaques? En fait, je vais me prendre un back où je perds rien. Parce que limite, ce que tu pourrais faire, Attends, c'est faire un. je vais back TP. Ouais. Tu pourrais faire un back et venir jouer le Drake, comme Ah ça bah on je vais faire ça, sécurise. je fais ça, je viens avec Et toi. si ça se passe bien, tu TP top. On peut Ah essayer ça. je pensais TP direct au Drake, mais c'est vrai que le TP top peut aussi être un plan. Ouais, tu peux Non, avoir parce que moins là, si vas-y, jamais. je TP Drake et on y va direct, non? Non, t'as raison, je vais venir à pied tranquille. Bah écoute, Après, je viens. on a pas la pression de la botlane, c'est ça qui me dérange un peu. Et bah justement, on a qu'à les tuer. Si on tue la botlane, on a plus de problème, non? C'est Xerath. Qu'est-ce que c'est drôle. Vas-y, punis-le. Tu le bouffes là, non? Ok, il y a Lee Sin. Attention, le Panthéon, vas-y, j'arrive. J'espère juste que je vais arriver assez vite. Go, non? Putain, j'ai lâché le ghost pour rien. Très très nul. Go Drake, non? Go Drake, mais la botlane. Ouais, mais on peut le forcer peut-être. J'espère que ça a passé. De toute façon, on a quand même beaucoup de dégâts. Moi j'ai l'ulti. Faudrait tuer celui-ci, non? En fait, il faudrait le pull. Non, vas-y, go pull, 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 pull. Bon, pas le temps. Je vais tuer l'ici, non? Ça tombe. Le Ok, Drake, il est pour qui? y a l'ici encore là. Putain, elle me Fais place gaffe. son bordel. Oh non, je vais crever, à l'aide! Putain, ça se passe si mal là. Regarde qu'est ça, putain. Allez. Mec, trop bien. Olaf, oh, je te promets que c'est ma vie Allez. en fait. Vous pouvez le faire, c'est bon. J'adore. C'est trop bien parce que t'es à la fois archi solide et à la fois tu peux punir le grid ultra vite, tu peux mettre des dégâts qui surprennent. Et en Tout à même fait. temps, t'as à la fois du burst et des dégâts sur la durée, enfin c'est trop bien. J'adore. Ok, je vais avoir Et à la fois, t'as un gros pool d'HP. Est-ce que je peux prendre le raid ou tu le veux? Bien sûr, prends-le. Parce que là, je pense que je Non, suis je suis tellement pas bien dépendant, mais je que. pense que ça va largement t'aider dans ton match-up. Ouais, moi ça peut me faire un kill direct en fait. Clairement, prends-le, ouais. Ah, je pensais que je le tuais. Ok, il y a le Panthéon ici. Ça push à mort vers sa tourelle. Panthéon 2-5, ce serait peut-être bien que je back quand même. Mais là le Panthéon. Ça touche.
il vient d'utiliser son item, je sais pas trop pourquoi. Oh, je rate tous les grosses pierres, honteux. Ah, LED. Enfin, je dis ça, mais... En fait, s'il vient, il est mort. Il y a Lee Sin top, hein. Mais attends, mais en fait, je vais... Oh, j'ai envie de tenter le 1v2, mais à mon avis, c'est du grid qui va être puni. Hein. Je sais qu'il y a Lee Sin à côté. Par contre, l'élastite, je suis pas au point. Hein. Ok, je veux dire, je vais aller l'aider mid, mais... Ah! Relou. Pas assez rapide. C'est pas mal en vrai, hein. On s'en sort bien, je trouve, hein. Ouais. En fait, le Lee Sin, il a vraiment merdé son early, mais du coup, il s'est bien rattrapé sur les objectifs, mine de rien. Mais bon, le truc, c'est qu'il scale, on scale beaucoup mieux par rapport à lui. Ouais. Surtout. Puis Jax, une fois que c'est parti, bon, c'est Jax, quoi. Là, c'est en vrai, à nous deux, on peut tellement, tellement faire de dégâts sur les fights. Je me suis reconverti en jungler, je me suis dit pourquoi pas. Ok, il y a le Panthéon top. J'hésitais à prendre l'établi, les mercures, ça me semble pas trop dégueu non plus comme genre. Très bien. Ok, je sers à rien. Très bien. Très bien, je me balade. J'ai une botlane qui a décidé de me reprendre ma lane. Nickel. Ah mais ça fight là en fait. C'est parfait ça. Ah putain. J'ai un peu fait de la merde avec ma caméra et du coup j'ai pas pris le kill alors que le Lee Sin devrait être mort. Ouais, ça m'arrive aussi, t'as cliqué sur la minimap. Je voulais être en aclic mais j'étais pas vraiment en aclic. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans ma tête c'est très clair. Ça pue. Je pense que je vais push mid. Hein. Normalement, je peux courir. Et puis après, bon, le Lee Sin, je l'ai déjà calmé une fois. En vrai, je pourrais claquer la TP, mais si, même s'il me rush, en fait, je le baise là. Je prends le push. Enfin, je pense. Ah, j'ai 3000 gold. En vrai, je vais pas grid. Et je pense que je pourrais le péter, mais je vais back TP. Je vais push le top. J'ai 2800 gold. C'est pas mal. Pas pris ma pink. Ouais, il va falloir jouer autour du Drake là. Ok, vas-y, je vais venir avec vous. Ou alors je mets la pression top, hein, ça peut aussi être un plan. Ouais, mais Panthéon est sur le Drake donc. C'est quoi, c'est un infernal? Ah ouais. Ah putain, c'est con, je viens de lâcher ma TP, j'ai pas eu une bonne vision de jeu là-dessus. Pas du mieux communiquer avec toi. C'est pas grave. J'ai pas vu que t'arrivais si vite. Oh putain, je rate tous les grosses bires, c'est incroyable le nombre de crits que j'ai. En vrai, mais la pression, tant pis. En vrai, je pense que ça peut être rentable à mort. Hein. Ça sera meilleur. Là, vous êtes 4, à mon avis, soit vous l'avez, soit au moins vous leur empêchez de le choper. Faudrait qu'il y en ait un qui push bot en fait. De commencer. Je commence pas, Xavier. Oh là là, ce Olaf. Il fait des merveilles, ce Olaf. Hein. Continue, je pense. Hein. Ouais. Ils sont vraiment tous là-bas? Ouais. Enfin, ils sont 3 du moins. Peut-être plus. Parce que bon, ouais, je suis un peu low life quand même, hein, je t'avouerai. Y'a personne sur toi. Dit-il alors que je me prends un Xerath. Ah, bah ça. Ouais. Après, normalement. Il y a moyen que... Oh, je voulais sidestep. Ok, on l'a eu.
On l'a eu, on a tué les Sin. On a fait 2 kills. GG, en vrai je les ai occupés, bon j'ai pas fait des trucs de ouf. Ah j'ai quand même pété le Panthéon entre deux tourelles, c'est quand même pas mal. Est-ce que je peux aller reprendre le raid? Bien sûr, ouais. Ouais, prends-les, ouais, moi je. Ça me sert bien, ouais. De Je toute pense que façon... t'en as plus d'utilité. Moi je suis en train de vivoter entre les lanes pour essayer de voir ce que la team va faire. Yep. C'est beaucoup plus voir sur toi. Oh, avec du lifesteal, T'en c'est es. génial, Olaf. C'est génial. En vrai, c'est ouf parce qu'avec Olaf, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis un peu brouillon sur le champion, mais j'ai un KDA de malade parce que, en fait, c'est tellement OP que même si tu sais pas bien jouer, tu récupères quand même. Pratique. Et l'overstay au mid qui va nous coûter un peu. La classique. Peut-être pas tant que J'ai ça en encore fait. raté le gros, mec. Incroyable. Je vais prendre la tour top. Ou alors en vrai, je peux décaler avec vous aussi. Hein. Attends, je vais venir en vrai. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Vas-y, je viens vers toi si t'as besoin. Tu peux me dash dessus. Ok. Bah, Nivea n'a plus de flash, elle non plus. J'ai un peu mis beaucoup d'utilitaires pour pas grand chose, hein, j'avouerai. T'as quelque chose à Ghost et Éclair du Juste? Ouais. Okay. Bon après ça revient vite. Oui, ça plus ulti aussi. Ça fait quand même un peu beaucoup pour aller pour un kill qui était free quoi. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Je vais le calmer, il comprend pas lui, hein. Alors par Après contre. t'as... En vrai, Tu aurais pu... les deux ça allait. Attends, mais Anivia en fait elle se prend hachoir perdu, elle est morte. Ah, là par contre c'est chaud. Putain, je suis resté stun combien de temps quoi? Je pouvais mettre juste quelques coups, je me régénérais, c'était fini, mais. Ouais, là j'ai pas très très bien géré. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de mettre l'ulti là où le ghost y aurait largement suffi quoi. Bon. Pourquoi tu fais le choix BOTRK sur voilà. Parce que je trouve ça stylé d'utiliser la vitesse d'attaque avec un peu de lifesteal et pour le déplacement, tu vois. Je trouve que t'as à la fois du déplacement, à la fois un lifesteal quand même qui te met plus safe. Et ça utilise bien la vitesse d'attaque contre les tanks, tu vois, je trouve que l'item se prête bien Olaf. Et après je prends que du tank à côté de ça, tu vois. Parce que sinon en fait quand t'as pas ton Z d'actif, bah t'as pas de lifesteal et ça peut te foutre dans la merde à des moments. Bon encore une fois, hein, je suis pas un pro Olaf, je suis encore en découverte du perso, c'est peut-être pas le mieux mais. Ouais, il me semble que le coup près, enfin le passif du coup près noir avec le phage et la gloire du juste suffisent. Après ça dépend de tes runes. Ouais, Je joue en conquérant. tu joues avec célérité en deuxième. Il rajoute Oui, 7% de. manteau nuageux et célérité. Ouais. Mais après, tu vois, le problème, c'est que si tu pars là-dessus, il faut vraiment que tu puisses toucher tes adversaires pour engager les fights, quoi. Enfin, tu me diras, la gloire juste, tu peux l'activer à distance, c'est vrai, mais. En vrai, go là, non? Bon, je pense qu'on Ok. peut juste forcer au mid. Et en fait, le mauvais réflexe que j'ai, c'est, tu vois, qu'en fait, je suis tellement habitué à jouer Nasus que je mets l'ulti un petit peu avant d'engager les fights, tu vois. Parce que Nasus, c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf qu'avec Olaf, du coup, à chaque fois, je le mets trop tôt, et quand j'en ai besoin, je l'ai plus. Donc c'est un espèce de mauvais réflexe que je traîne. Il faut juste que Pense je que m'habitue un petit c'est pas peu. worth de rester là. Il faudrait soit push la mid ou Ouais, la il me fait top. peur, lui. C'est marrant ça, mec, il fait un salto en l'air quand je veux le tuer, genre nickel. Nickel, Ouais. nickel. Drake en vrai, non. Attends, non, moi je vais top. En vrai, va bot, non. Il faut que j'aille me régène là-dessus. Faudrait prendre le push au bot, Parce ouais, que là, du c'est... coup, en régène, je me mets trop trop bien. Oh, je régène tellement bien. Listen. Ah bah oui, toujours plus. Ouais, ça faisait beaucoup, mec, c'est 3 contre moi, quoi. Aïe. Aïe, bon, c'est moi qui... J'aurais pas dû être là, en vrai, j'aurais pas dû chase. Oh, si tu le tues... Oh, j'ai cru en toi, hein. Ouais, là J'ai ils une sont vaches. TP. J'ai une TP, mais 40 secondes, ça risque de faire un peu short. C'était mal joué de notre part, là, tout ça. Ouais, très très On mal joué. a resté beaucoup trop longtemps. Moi, j'ai grid à vouloir aller push le top. Enfin, c'était pas du grid, mais... Je me suis pris 3 mecs dans la gueule. Ce qu'on peut appeler un bus. En vrai, ils sont en train de la remonter un peu, non?
terreur de débutant de notre part là. Ils sont, ouais, ils sont en train de la remonter. Là, je dis go focus Drake. Hein. J'ai ma TP, je vais pouvoir TP. Je suis pas trop fan qu'il le commence sans moi là. Ouais, ça fait un peu peur, j'avoue. Attends, mais en vrai. Ou alors il faut vraiment le. Ouais, parfait. Voilà, là, ça leur fait peur là. Nickel. Okay, bon, j'ai tapé un... j'ai un peu TP pour rien, mais j'ai sécurisé en fait. Quitte à TP, je pense qu'on va. C'est on grâce va à la TP qu'il a eu peur en fait, le lycée. Il a fait demi-tour, il a même pas essayé de steal. J'ai TP sous son nez. Ah bah ça fight là. Pas vraiment mais... Non ça se regarde dans les yeux un peu. Ils sont en train de chercher une occasion de d'engage. Vas-y je vais venir effectivement. GG le stun de Lee Sin très très bien ce catch là. J'arrive par le bas ou... Ouais clairement. Oh mec, j'ai tellement enfin j'ai l'impression d'avoir réussi à être vraiment efficace à la hauteur de ce que je pouvais faire là. J'ai bien tanké, je me suis régène et ma BRK là, elle a fait le taf. Hein. Que crois-tu? C'est grâce à ça, je pense qu'on gagne grâce à ça. Sans aucune hésitation. Voilà, très bon choix. Incroyable. L'essentiel c'est d'en être convaincu soi-même, hein, le reste. Effectivement, quand on est seul à penser, on peut pas se contredire. Hein. C'est vrai, c'est bien dit ça. Pas mal cette petite partie. Bon, pas ultra propre de ma part, mais c'était sympa. Non, on a fait quelques erreurs qui auraient pu nous coûter la partie si l'équipe adverse avait été un peu plus solide, hein, notamment les cibles. C'est vrai qu'ils étaient pas loin du comeback quand même là. Hein. À la fin, j'ai regardé le score quand ils ont pris le Nash, là, je me suis dit oula. Ouais. Ouh là là, on peut avoir un petit souci quand même là. Ouais, et puis mine de rien, ils avaient pas une mauvaise équipe en scaling. Ouais, mais t'avais vraiment bien géré le catch de Lee Sin en face sur la dernière fight. Ah non, c'était cool. Hein. Mais tu vois, j'ai eu un début de partie vraiment pas mal. Milieu de partie, j'ai un peu jeté. Et fin de partie, j'ai fait un comeback quoi. Mais normalement, j'aurais dû snowball beaucoup plus. En plus, Olaf, c'est un peu le champion par excellence pour snowball quoi. Mais bon. Ouais, après, toujours pareil, il faut choisir des bons timings d'aggro. Parce que, effectivement, si tu fais un all-in qui passe assez mal, au final, tu te retrouves assez low HP et Panthéon, il peut te punir assez vite. C'est vrai. Mais Panthéon, ouais, ça m'a un peu surpris sur le match-up. Mais c'est bien, je continue à découvrir un petit peu. Ah, j'ai quand même un S-moi au final. En vrai, je le mérite pas. Hein. Je le mérite vraiment pas. Mais bon, toi, j'ai de l'honneur, mec. Je pense que... Moi, je sais pas. En vrai, il y a des fights à la fin où j'ai quand même bien fait du taf. Hein, mais... Ouais, bon. Après, je pense... T'as bien géré ta jungle. En vrai, ton gank au début m'a mis vraiment bien, puis t'as mis une bonne pression. Hein. GG à toi. Après, le Lee Sin, ouais, il a saisi des bonnes opportunités, en vrai. Ouais. Parce qu'il était assez mal dans la partie avec ses ganks un peu forés. Et il a réussi... Il a réussi à être assez présent quand même. Mais bon, au final, quand tu regardes ses stats, tu te rends compte qu'il était quand même un petit peu en dehors de la game. Hein. Ouais. Bon, nice, 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 nice. C'est sympa.